s'est lancé dans cette épreuve réservée à des pouliches de 3 ans sous la conduite tout de suite d'une casaque Dubois qui essaye de prendre la direction de l'épreuve. Il s'agit de numéro 12, il s'agit de Annie Knight qui essaye de prendre la tête, mais Agap se penche très très fort également. On est à la faute de Anna Sensei, numéro 9, qui a disparu, numéro 9 malheureusement, qui se retrouve très loin. Faute également du 11, Andala de Viat, qui se retrouve loin également. Et devant, on a Agap Gwen qui a pris la direction de l'épreuve. Une très belle jument, Agap Gwen avec Pierre Vercruz, qui peut faire sensation. Mais malheureusement, elle commet une faute. Aïe, aïe, aïe. La sortie du premier tournant, Agap Gwen quitte la course. Et c'est l'entraînement de Jacques Bruno qui va se retrouver en tête dans quelques instants, en compagnie de l'entraînement Dubois. Bel effort à l'extérieur également, numéro 13 qui revient vite, c'est All-Star Rock avec Guillaume Poré. Guillaume Poré avec numéro 13, All-Star Rock prend la direction d'épreuve. L'As Arlésienne est deuxième, Jacques Bruno. La troisième place plutôt calée le long de la corde pour numéro 8, Amilov. On attend avec Amandine Fly, elle aime bien attendre dans un parcours. Balle à descente avec numéro 13, All-Star Rock, toujours au commandement. Deuxième position, L'As Arlésienne. Ça va à deux à l'heure, en fin de compte ensuite. Sous la conduite du numéro 8, Amilov, qui est troisième avec Joss Verbeck. On est un peu dans la boîte également avec le numéro 5, Aurore Éclatante. Et on attend toujours avec Amandine Fly, qui a toujours attendu lors de ses dernières tentatives. Sans doute une bonne finisseuse. Nous abordons la ligne d'en face, toujours sous la conduite du numéro 13, All-Star Rock. En deuxième position, L'As Arlésienne. La troisième place pour le 8, Amilov, Calais, long de la corde. Il s'est rapproché avec le numéro 12, Amy Knight. On est toujours un peu dans la boîte avec Amandine Fly. Pas trop loin, se retrouve le numéro 7, Anna Maria. On va aborder les lignes d'en face, on est à 1200 mètres du poteau. Sous la conduite numéro 13, All-Star Rock, qui mène la tendance à un train peu sélectif. En deuxième position, L'As Arlésienne. On est toujours troisième avec numéro 12, Amy Knight. On est toujours enveloppé avec Amandine Fly, qui a un parcours malheureux tout compte fait. Elle n'arrive pas à s'exprimer, numéro 4. Enfermé d'ailleurs par numéro 7, Anna Maria. Ils ont comme ça vers le dernier kilomètre. Toujours sous la conduite numéro 13, All-Star Rock, qui ne brûle pas ses ailes. En deuxième position, L'As Arlésienne, qui n'attaque toujours pas. Donc les leaders ont toujours beaucoup de ressources. Personne n'est venu. Hein. Personne n'est venu, ce qui fait que personne n'a vraiment couru pour l'instant. Il y aura 500 mètres très très vite, ça c'est sûr. Avec numéro 13, All-Star Rock, toujours au commandement, L'As Arlésienne, qui va lancer la contre-attaque. Personne ne lance la contre-attaque pour l'instant, on laisse faire les premiers. Et on va comme ça vers les 500 derniers mètres, avec numéro 13, All-Star Rock, Guillaume Poré, en deuxième position, L'As Arlésienne, la troisième place pour numéro 12, Amy Knight, Calais d'accord, numéro 7, Anna Maria, Anna Maria Milov, numéro 8, qui reste bien placé. Et on voit que Amandine Fly complètement dans la boîte. On est un peu malheureux également avec numéro 5, Aurore Éclatante. 500 mètres à parcourir. Avec le 13, L'As et le long d'accord de Amilov, numéro 8, Joss Verbeck, qui va pouvoir porter son attaque. Amandine Fly aimerait bien sortir. Entre les droite avec numéro 13 devant L'As et le numéro 8, Amilov. Amandine Fly toujours dans la boîte. Entre les droite, on essaye de venir à l'extérieur avec numéro 7, Anna Maria. Phase de finale. Plus de problème pour les leaders avec L'As, le 13 et peut-être Joss Verbeck qui finit très très fort. Joss Verbeck qui va attaquer le numéro 1, mais Jacques Bruno va gagner. L'As l'emporte, le 8 et 2e, le 12 et 3e, le 4 finit à 100 à l'heure, mais 4e, victoire de L'As Arlésienne. 2e, le numéro 8, Amilov. 3e, le numéro 12, me semble-t-il, Annie Knight. As, 8, 12 et 4 en principe PJ, victoire de L'As qui s'impose, Arlésienne. Elle ouvre son palmarès, 28 euros, deuxième place pour le numéro 8, Amilov. 8,40, troisième place pour le 12, Amy Knight, 7,60. Et quatrième place pour le numéro 4, Amandine Fly, cinquième place pour le 13. As 8, 12, 4 et 13, on a pris un peu de retard, on tourne une page de publicité avant de retrouver l'hippodrome de Pau.